Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, pasteur associé à l'église ACR Lyon. C'est toujours une joie, et un plaisir, un privilège de me retrouver devant vous pour partager la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette étude merveilleuse que nous avons commencée ensemble. Nous parlons du parcours de croissance du chrétien et beaucoup sont vraiment bénis par cet enseignement et nous remercions le Seigneur pour cela et nous croyons que chacun d'entre nous ne va pas stagner dans sa marche avec Dieu, mais va progresser. Et c'est la volonté de Dieu que tu puisses progresser. Amen. Donc, je t'invite, comme d'habitude, à partager ce live à au moins 10 personnes, parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole qui va nourrir nos esprits et nous amener à grandir, nous challenger pour grandir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ensemble juste pour remettre ces moments au Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et la louange parce que tu es Dieu, tu en es digne. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Lorsque nous plongeons le regard dans ta parole, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Père, je prie que l'Esprit de révélation et de grâce soit révélé, soit manifeste pendant ces moments, afin que nous soyons transformés par la parole de Dieu et catapulté dans notre destinée avec toi. Merci de nous fortifier et de nous révéler le cœur de Dieu pour que nous puissions accomplir sa volonté parfaite ici sur la terre, alors que nous avons encore ce souffle de vie. Nous voulons vivre pour ta gloire et être à la hauteur de l'appel et de la grâce, de l'onction, du don que tu as déposé dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen gloire à dieu donc nous sommes à notre quatrième session euh, au sujet de ce parcours de croissance du chrétien nous avons parlé déjà de l'étape de bébé spirituel de l'étape d'adolescence spirituelle de l'étape d'adulte spirituel et aujourd'hui nous allons parler de l'étape d'ancien ok et nous allons voir ensemble qu'est ce que cela implique vous savez la bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait, il se fortifiait dans l'esprit. Et chacun d'entre nous est donc appelé à grandir et à se fortifier dans l'esprit. Et quand nous grandissons, eh bien, nous passons d'un état à un autre. Hein. Nous ne restons pas pareils. Hein. Quand vous regardez une plante qui grandit, si aujourd'hui elle a un centimètre, demain elle aura cinq, après elle aura dix, etc. etc. Et nous voyons une progression évidente. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ici à dire que Dieu t'appelle à progresser. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Et je crois que cet enseignement va vous challenger à progresser. Dis au nom de Jésus je refuse de stagner, je refuse de regresser, je refuse de me perdre. Mais je déclare que je suis fortifié dans mon homme intérieur, dans mon âme et je suis fortifié spirituellement. Et je grandis pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. Merci pour vos retours et pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Nous bénissons Dieu pour vos vies et nous croyons vraiment que la parole de Dieu euh, est, est libérée et que la grâce est rendue disponible pour un plus grand nombre. C'est pourquoi partagez, vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, vraiment, n'hésitez pas à partager. Alors aujourd'hui, on va parler de l'étape d'ancien. Qu'est-ce que ça veut dire l'étape d'ancien Vous savez, quand vous êtes un adulte spirituel, vous avez appris à veiller sur vous-même. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Okay? Donc, euh, vous arrivez déjà à vous gérer, vous êtes autonome spirituellement parlant et vous, vous maintenez le cadre de votre relation avec Dieu. Vous, vous avez les tenants, vous, 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 vous êtes acteur au niveau des tenants. De votre relation avec Dieu. Les aboutissants, c'est Dieu, mais les tenants, nous participons avec lui. Vous comprenez ça? Donc, se gérer soi-même, c'est une étape importante, mais Dieu veut que nous puissions aider les autres aussi à se gérer, aider les autres aussi à grandir, aider les autres aussi à se développer. OK? Nous allons voir ces différents aspects euh, dans la parole de Dieu. Regardez, Galate chapitre 1, Galate 4, pardon. Galates chapitre 4, je commence par là, le verset 1 dit ceci: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que vous avez entendu ça? Il, quoi qu'il soit le maître de tout, il ne diffère en rien d'un esclave. Et pourtant, il est censé être le maître. J'aimerais vous dire que il y a un stade de votre progression avec Dieu, où vous devenez un maître, où vous maîtrisez les choses. Est-ce que vous êtes avec moi Et justement, vous n'êtes plus sous la tutelle, sous les tuteurs. Comme on voit le verset 2, Galate 4, 2, on dit « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Il dit « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, euh, né sous la loi, afin qu'il racheta tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel qui abat père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a un temps marqué par le Père où tu dois entrer dans la possession de ton héritage, où tu dois entrer dans la maîtrise. Parce que tu es un maître, tu dois expérimenter cette maîtrise. OK? Et donc, le Seigneur veut que ta maturité soit euh, éprouvée. Donc, être adulte, vous êtes adulte à un instant T. Maintenant, vous allez commencer à passer par différentes épreuves pour consolider votre statut d'adulte. Et, et cette consolidation vous amène progressivement dans ce statut d'ancien, ok De Timothée, chapitre 3, le verset 7. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Euh, « Apprenons toujours... » Donc, on parle de certaines personnes qui sont dans l'Église. Hein. Alors, on va lire au verset 6. « il en est parmi eux qui s'introduisent euh, dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, euh, l'adolescent, il cherche à connaître des choses. L'adulte, il apprend les choses et il commence à accéder à la vérité, à maîtriser ces choses. Okay? Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions accéder à la connaissance de la vérité. Et quelqu'un qui est ancien, c'est quelqu'un qui connaît la vérité. Il a expérimenté la vérité et il ne se fait plus de doute au sujet de ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là Donc, c'est très important de comprendre que quand vous grandissez, Dieu veut vous affermir et vous amener à un stade où vous maîtrisez les choses et vous devenez un modèle, un encouragement et un, un porteur pour les autres. Lisons encore Hébreu, lisons Hébreu chapitre 5, Hébreu chapitre 5 à partir du verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin quand vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Ça, vous comprenez Il y a une expérience, c'est-à-dire une répétition de choses qui font que vous maîtrisez la parole de la justice. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide et pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal est-ce que vous voyez que quand on devient un ancien on maîtrise les choses on a le discernement qui est poussé on sait voir on sait faire la part des choses dans l'écoute de la voix de dieu les choses sont claires euh, quand le, quand le diable vient pour nous attaquer, pour, on le voit très clair. On n'est pas dans, le, dans les nuages, on n'est pas dans la confusion. Les choses sont claires. On maîtrise les choses. On est acteur des choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on se nourrit non plus de lait spirituel, mais de nourriture solide. Bien aimé, j'aimerais te dire que les bases de l'évangile sont la porte d'entrée. Mais tu ne peux pas rester tout le temps dans les bases. Il faut que tu ailles en profondeur. Il y a de la nourriture solide. Est-ce que vous comprenez ça Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il leur dit ça ici. Quand vous lisez euh, euh, Hébreu 5, euh, verset 11, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, il y a des choses difficiles à expliquer. En face des gens qui sont lents à comprendre. Mais quand les gens ont l'intelligence renouvelée, l'intelligence spirituelle active, on peut expliquer des choses difficiles, on peut expliquer des choses complexes du royaume de Dieu. Bien aimé, il y a des mystères du royaume de Dieu auxquels nous devons accéder. Et la Bible le dit Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous comprenez ça Donc, il y a un niveau avec Dieu où tu dois devenir un maître. Lève ta main droite et dis, Père, dans le nom de Jésus, j'accède à la maîtrise, j'accède à l'expérimentation de la parole de justice. Je déclare que mon, mon sens est exercé au discernement du bien et du mal. Je ne suis pas dans la confusion au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, l'ancien, celui qui est ancien, il maîtrise la parole de Dieu, il expérimente la parole de Dieu. Et il se positionne par rapport aux autres. Et plus que pour lui-même. Regardez, Luc chapitre 22, verset 31. C'est Jésus qui parle, Luc chapitre, 22. Luc chapitre 22, verset 31. C'est Jésus qui parle à Pierre. Le Seigneur lui dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Est-ce que vous comprenez qu'il y a un niveau où tu dois travailler pour ton affermissement et il y a un niveau où Dieu veut que tu puisses affermir tes frères, affermir tes sœurs. Parce que toi-même, tu es affermi. Dieu veut que tu puisses affermir les autres. Est-ce que vous comprenez que la bénédiction de Dieu dans notre vie ne vient pas juste pour nous chatouiller, nous faire du bien pour nous-mêmes? Mais Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Déclare sur ta vie que tu as une source de bénédiction. Alléluia. Dis merci Seigneur. Parce que je suis une source de bénédiction. Et j'affermis mes frères. Vous voyez ça? Jésus dit à Pierre J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. OK? Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui contribue à affermir les frères et les sœurs. Vous comprenez ça? Affermir, ça veut dire rendre ferme. Quelqu'un arrive, c'est un bébé spirituel, il ne connaît pas la parole de Dieu, il n'a pas l'expérience des choses de Dieu et il est exposé à différents dangers. Tu le prends sous tes ailes, tu le couves, tu l'enseignes, tu l'aides à grandir et tu l'aides à s'affermir. Dieu veut que tu deviennes aussi un ancien. Est-ce que quelqu'un m'entend Ancien, ce n'est pas les cheveux blancs. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Ce n'est pas les cheveux blancs. Mais c'est avoir l'expérience de la parole de Dieu. Avoir atteint un niveau de maturité. OK. Donc, exerce, euh, affermir les frères. L'autre chose qu'on attend des anciens, c'est qu'ils puissent exercer leur ministère en faveur de ceux qui sont malades. Jacques, chapitre 5, verset 14. Et 15. Oh, bien-aimé, je prie que tu arrives à ce stade où on peut compter sur toi pour prier pour les malades. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. bien aimé, est-ce que tu entends ça Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens Ça veut dire que un ancien, alléluia, on peut l'appeler à n'importe quel moment. <laughs> Yes, bien aimé. Je prie que tu deviennes un ancien. Et un ancien, on peut l'appeler, on peut le solliciter à n'importe quel moment. Deux heures du matin, on t'appelle, ancien. Il y a quelqu'un qui est malade. Est-ce que tu peux venir? L'ancien ne va pas dire, euh, attendez, laissez-moi trois jours de jeûne et prière. Euh, laissez-moi réfléchir si c'est la volonté de Dieu que je vienne maintenant. Euh, laissez-moi voir euh, si ma foi est au beau fixe. Non, un ancien, sa foi est au beau fixe. Il, est, il, il a passé le stade d'adulte où il, il se gère, il gère sa relation avec Dieu, mais il est maintenant à un stade où il est géré. Vous comprenez ça Et maintenant, il impacte les autres. Maintenant, il, les autres peuvent s'appuyer sur lui à tout moment. Je prie que tu aies cette maturité, que tu deviennes un ancien, qu'on puisse compter sur toi, qu'on puisse venir vers toi avec les malades, bien-aimés. Vous savez, moi en tant que pasteur, j'ai un ministère de guérison. J'aspire euh, 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 à vivre de grandes choses, mais j'estime que c est, c est, ce sera un échec pour moi d'être le seul à pouvoir prier pour les malades dans l'église. Mais c'est un échec. Ça veut dire que nous n'avons pas réussi à faire émerger des anciens, à faire grandir des chrétiens sur qui on peut compter, sur qui l'Église peut compter. Est-ce que vous savez que dans notre Église à Lyon, il y a des personnes qui ont vraiment une grâce Et quand les, les brebis viennent me solliciter pour demander la prière dans tel et tel domaine, moi je ne prie pas pour tout le monde, je dis va voir tel, il va prier pour toi. Tu as besoin d'un stage, va voir la professionnelle des stages, hein euh, Madame Goubé, hein, maman soit, <laughs> la professionnelle des stages, il y, y a des gens qui ont des problèmes pour concevoir, pour enfanter parmi nous. Il y a des mamans qui ont prié pour des femmes qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. Et, et ce n'est pas, pas qu'une fois. Donc, pourquoi je vais m'embêter à vouloir prier pour tous les cas Je les envoie vers eux. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Et Dieu veut qu'il y ait une panoplie d'anciens. Est-ce que vous comprenez ça Non seulement pour aider les jeunes convertis qui viennent à l'Église, mais pour que nous puissions apporter le ministère de guérison à l'extérieur de l'Église et démontrer que Jéhovah Rapha est vivant aujourd'hui. Alléluia Donc, quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens. Vous comprenez que c'est au malade de solliciter l'ancien. Et on espère que l'ancien est disponible. <laughs> l'ancien est censé être disponible. Alléluia Et donc, l'ancien connaît la prière fervente du juste. L'ancien connaît le principe de l'onction d'huile. Il sait utiliser l'onction. Est-ce que vous comprenez C'est pas une histoire d'avoir des cheveux blancs. C'est une histoire de connaître les principes du royaume de Dieu et de les avoir testés, expérimentés, confirmés, validés. Est-ce que vous comprenez ça C'est ça les anciens. Allez, on va continuer encore. On va continuer encore. J'espère que quelqu'un est béni par la parole de Dieu. alléluia Gloire au Seigneur. Donc l'ancien, il a fermé les frères. Il exerce le ministère. Il retransmet la parole de Dieu et la vision avec fidélité. De Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. De Timothée, chapitre 2. La Bible dit ceci Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le, confie-le, confie-le confie -le à des hommes fidèles qui est capable de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que vous comprenez que le fait que tu te fortifies dans la grâce qui est en Jésus-Christ va t'amener à un niveau où ce que tu as reçu de tes pères, tu as la capacité de le confier, tu as la capacité de le transmettre, tu as la capacité d'enseigner sur ces choses. Vous comprenez ça Tu as cette capacité. Et tu sais identifier les bonnes personnes, hein, les personnes qui sont fidèles. Et qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parce que nous sommes dans une logique de chaîne d'impact. Dieu t'impacte, il t'accorde la révélation et, et cette révélation, tu la prends et tu impactes d'autres personnes et tu la, tu la leur transmets afin qu'eux, ils l'apprennent aussi et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la chaîne d'impact ne s'arrête pas. Amen. Cette chaîne d'impact ne s'arrête pas. Donc, l'ancien qui est fortifié dans la grâce, il sait retransmettre, il sait confier ce qu'il a reçu à des gens. Comprenez que vous ne pouvez pas passer votre temps à apprendre des choses rien que pour vous et vous ne les retransmettez jamais. Il y a un bug, il y a un problème, C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ce que tu as appris, que tu puisses le retransmettre à d'autres. La Bible dit à l'effet de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, tu as reçu des prescriptions du Seigneur, tu dois être capable à un moment donné d'enseigner de, ces prescriptions aux autres. Alléluia. Du coup, il faut que tu les vives toi-même, il faut que tu le maîtrises. Sinon, tu n'es pas crédible lorsque tu vas enseigner aux autres. Si tu n'es pas un modèle toi-même, tu auras du mal à enseigner aux autres. Vous comprenez Allez, on avance. Alors, quand on parle des anciens, donc, ils ont la capacité de soutenir l'œuvre et de veiller sur la pérennité de l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre et veiller sur la pérennité de l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons Actes des apôtres, au chapitre 9, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. On nous parle de quelqu'un qui s'appelle Ananias. C'est un ancien. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 9 le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Est-ce que vous comprenez que Dieu veut parler pour des sujets sensibles à des, à des anciens, des personnes qui ont acquis un rang honorable, des personnes qui ont a, atteint un statut où Dieu peut compter sur eux. Dieu peut leur confier des dossiers importants dans la construction du royaume de Dieu et dans l'extension du royaume de Dieu. Écoutez, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. L'ancien est disponible pour son Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints. » dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortie. Vous comprenez qu'un ancien, c'est quelqu'un qui sert Dieu et qui n'a pas peur du danger qui est lié à ce service-là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller prêcher à quelqu'un qui a des pouvoirs de l'arrêter. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Vous comprenez pourquoi Il ne s'agit juste pas de comprendre les choses de Dieu, de les maîtriser, les vivre pour soi-même. Il y a des défis, il y a des enjeux de l'œuvre de Dieu auxquels vous allez être confronté. Et si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous n'avez pas l'expérience de Dieu, vous n'allez pas oser obéir et sortir quand Dieu vous donne une mission de ce genre. Mais c'est pourquoi quand vous devenez un ancien, vous maîtrisez ces choses et vous savez que Dieu est fidèle, que Dieu est puissant, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur sa parole, que quand Dieu vous donne une mission, il est avec vous. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez maintenant que quand on est ancien, on entre vraiment dans cette phase d'impact Tu peux retransmettre la parole de Dieu mais tu dois aussi impacter l'esprit. Alléluia. Tu dois aussi impacter les dons spirituels. Tu dois impacter la vie de l'esprit. Tu dois être capable de prier pour quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit et il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur pour qu'il vienne le faire. Ta, ta connaissance de Dieu, ta communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, fait que tu pourras vivre ces choses. Est-ce que vous m'entendez Donc, la Bible dit... Donc il dit, seul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, donc guérison, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, impartation, ok Communication de grâce, impartation de l'Esprit. Au même instant, yes, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Qui l'a baptisé? C'est Ananias, certainement. Ou du moins, il a donné la consigne pour qu'on le baptise. Vous comprenez qu'un ancien, il impacte et il positionne quelqu'un dans les voies du Seigneur. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les fonds se le revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Ça veut dire que Saul est resté auprès d'Ananias. Et Ananias était comme le pasteur de cette église de Damas. Il, il a enseigné Paul. Vous comprenez ça? Donc, je, je gagne une âme à Christ, j'ai l'impacte, je l'amène à recevoir le baptême du Saint-Esprit, je l'amène à recevoir le baptême d'eau et je l'enseigne pour qu'elle puisse euh, vraiment avoir les bonnes bases avec Dieu. Regardez la conséquence. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues, donc que Jésus est le fils de Dieu. Ça dit que l'ancien Ananias a tellement bien impacté Paul que en très peu de temps, Paul a commencé à exercer le ministère. Hallelujah. Donc, vous voyez que être ancien, c'est vraiment arriver à un niveau de maturité dans les choses de Dieu et d'impact pour les autres. Hein on se maintient nous-mêmes, mais on fait avancer aussi les autres. J'avais noté également Hébreu 6. Je vais le lire là très rapidement. J'ai noté Hébreu 6, 4. Oui, en fait, le statut d'ancien, c'est un statut qui vous expose à un niveau de spiritualité élevé. En fait, quand vous entrez dans un niveau de spiritualité élevé, vous devenez un ancien. Il dit au verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont reçu part et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir. Donc ce passage, en fait, c'est le passage où on parle de ceux qui sont tombés et qui n'obtiendront pas de, re, de, de, de repentance, de rédemption. D'accord Mais comprenez que ces différentes étapes, c'est vraiment, ça montre euh, la profondeur dans les choses de l'esprit, dans l'expérience des choses de Dieu. On parle de goûter la bonne parole. On parle de goûter les puissants du siècle à venir. Bien aimé, c'est possible que tu puisses goûter à la puissance des siècles à venir. Goûter la bonne parole de Dieu. OK Parce que tu as été éclairé, tu as eu la révélation. C'est ça qui fait de toi un ancien. Et tu dois rester dans les voies du Seigneur pour ne pas te perdre. Tu dois rester. Être ancien ne veut pas dire que ça y est, tu es arrivé. Non, parce que l'autre étape, on le verra dans notre dernière session, c'est la mesure et la stature parfaite de Christ. Alléluia. Aïe 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 aïe. Ça va chauffer quand je vais parler de cette dernière étape de croissance. Bien-aimés, n'oubliez pas, on est dans le parcours de croissance du chrétien. Le chrétien, il commence par être bébé spirituel, ensuite adolescent, ensuite adulte spirituel. Et là, on parle du fait d'être ancien et la dernière étape c'est quand il atteint la mesure et la stature parfaite de Christ. Aïe, 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 aïe. <laughs> Laissez-moi finir avec le statut d'ancien, parce que vraiment, sinon je ne pourrais pas m'en sortir. Vraiment. Donc l'ancien, c'est celui qui est capable de porter les autres sans tomber lui-même et de les faire avancer. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12. Okay. On peut lire à partir du verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous prions frère d'avoir euh, de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Vous voyez ceux qui travaillent. Donc on parle de ceux qui vous, dir... ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent. Ce sont les anciens. Vous comprenez Les anciens ils travaillent au milieu des chrétiens. C'est les anciens qui portent l'œuvre. C'est eux qui épaulent les serviteurs de Dieu. Ils sont aux côtés des hommes de Dieu pour le bon fonctionnement du ministère. Et nous en avons besoin. Rappelez-vous de Moïse qui avait Aaron et Hur à ses côtés. C'est des soutiens du ministère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il parle de ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent. Donc, Dieu veut que tu travailles et que tu sois capable de diriger les autres. À un moment donné. Tu connais la parole de Dieu, tu connais le plan de Dieu, tu connais la vision du ministère dans lequel tu es. Tu dois être capable d'accueillir des nouveaux, les aider à grandir et leur, leur montrer le chemin, leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Alléluia. Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui a la capacité d'enfanter et de faire grandir. Est-ce que vous êtes avec moi C'est quelqu'un qui a la capacité de porter. Quand vous lisez Actes chapitre 10, vous rencontrez, vous voyez que l'apôtre Paul. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, à cause de tout le mal qu'il avait fait avant, hein, les chrétiens ne veulent pas collaborer avec lui. Les chrétiens ont peur de lui. Parce que il a quand même contribué au meurtre d'Étienne. Il a participé du moins. Et euh, il, 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 il a fait pas mal de mal aux, aux croyants. Et du coup, personne ne voulait collaborer avec lui. Il a fallu que Barnabas... Oh, je prie que tu sois un Barnabas pour quelqu'un. Il a fallu que Barnabas puisse le prendre et l'amener auprès des anciens et témoigne qu'il a vraiment reçu le Seigneur et qu'il était digne de confiance. Vous comprenez ça? Qu'il était digne de confiance parce que sinon, il n'allait pas être accepté. Regardez, c'est acte 9, pardon. Hein. Euh, donc, ce. Verset 22. Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul, On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant la nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient. Ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, voilà un ancien, il est capable d'identifier, non, lui c'est vraiment converti, lui il est vraiment dans une démarche, Dieu est vraiment à, à commencer une œuvre et on ne peut pas, on ne doit pas le mettre de côté, on ne doit pas le rejeter. Bien-aimé, je prie que tu sois un Barnabas pour quelqu'un. Alléluia. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, à ses risques et périls, hein? le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom du, au, au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en, en toute assurance au nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça Donc, Barnabas a pris Saul avec lui pour l'introduire auprès des anciens afin qu'il soit accepté. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir des anciens, des gens qui sont stables Et je vais vous donner un dernier verset pour finir. Et c'est vraiment, c'est Hébreu chapitre 13, et c'est ma prière pour vous. Alléluia. Hébreu chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous comprenez que c'est Dieu qui vous rend capable, il vous amène à, à, à maîtriser les choses, okay? à accomplir la volonté de Dieu. Un ancien, c'est quelqu'un qui est livré à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Un chrétien normal est censé être livré. Mais comprenez que dans la, dans la compréhension de la volonté de Dieu et dans notre abandon, il y a un, schéma, il y a un parcours. Hein? Et l'objectif, c'est que nous puissions devenir obéissants. Pour accomplir la volonté de Dieu, je prie vraiment que tu sois stable, inébranlable, et que l'on puisse compter sur toi, parce que tu es un ancien et tu deviendras un ancien pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine fois où nous allons étudier la dernière étape de la croissance du chrétien. C'est l'étape de la mesure et la stature parfaite de Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été béni. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple, vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à SueRéclise de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur AsuR Dio.